Esther chapitre 7. Haman dénoncé par Esther et mis à mort. Le roi et Haman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande? Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi ?» Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Haman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais ?» Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Haman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, « Voici le bois préparé par Haman pour Mardoché qui a parlé pour le bien du roi est dressé dans la maison d'Haman, à une hauteur de 50 coudées. » Le roi dit, « Qu'on y pende Haman. » Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Esther chapitre 8. Édit en faveur des Juifs. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Haman, l'ennemi des Juifs, et Mardoché parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Haman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Haman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se releva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils d'Amedata, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui atteindrait mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race ?» Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Haman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps, le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan. Et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, et aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments.
par ses lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela, en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là à se venger de leurs ennemis. Les courriers, montés sur des chevaux et des mulets, partirent aussitôt et en toute hâte, d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent Juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. C'était Esther chapitre 7 et Esther chapitre 8. Que Dieu vous bénisse. Amen.